Ouais, l'attaque était bien mise, mais les Montois sont très bien en défense, si ce n'est que voilà, un homme aussi qui peut, qui doit sortir de sa boîte. Bien joué. Lambeau. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Si, on donne à l'intérieur. Penava veut jouer à l'intérieur. Ce petit fadeaway, il y arrive. Eh bien, c'est pas mal. Ça peut mettre en confiance. C'est déjà une grosse différence au niveau de l'intensité. Il est passé du rame de nouveau. Il va aller jusqu'au bout cette fois-ci. Bien joué. Il donne bien à Penava. Il va chercher la faute de plus en plus. Penava, avec sa taille là-bas, suit bien le jeu. Hop, il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Allez, hoop avec Spencer. Le ballon intérieur, il est passé. Et il va déposer par derrière N1. Cage en faute. Cage, troisième faute. Par Smith qui a donné un bon ballon à Durham. Durham qui ressort pour Barnes. Important. À 3. Important. Et oui, important. Jack. Ah oui, mais. Lambeau. Il plonge cette fois-ci, il peut faire la passe. Superbement bien fait. Cet Durham. Là, il doit le prendre. Et c'est il bien. Le met bien. Parfait. Tariq Smith essaye d'attaquer et il le fait très bien, il s'arrête parfaitement. Smith. Il y a des switches. Qui prend le 3 points. Ah oui. Et qui le met. C'est quasi le panier de la victoire. 81-69. Et on sent que le. Danko pour un dernier shot. Qu'il rentre, tant mieux. 86-76, c'est un score plus logique. Mons est en finale.